Nous sommes dans la parcelle de la forêt secondaire. Et secondaire, pourquoi? Parce qu'en réalité, si on part dans l'étymologie, la forêt primaire est celle-là où on n'a jamais coupé. Or, ici, on n'a jamais coupé, mais le diamètre minimum d'exploitabilité ne permet pas qu'on introduise ça dans la forêt primaire. On a dit forêt secondaire. Et madame pourrait profiter de l'occasion pour pouvoir enrichir dans un autre niveau cette parcelle. C'est pour cela qu'elle a décidé de faire des bains de boue là-bas, parce qu'il y a un ruisseau, vous allez voir. Bains de sable, digitaux, pression par les huiles essentielles issues des plantes d'ici. La réflexologie plantaire, le massage thérapeutique. Donc, nous, la forêt n'est pas véritablement riche, mais elle a procédé, elle et son époux, à l'enrichissement en introduisant le moabi dans la parcelle. Il y a quelques essences comme l'ilomba, le tali, le padouk, mais qui sont jeunes. Et derrière nous, nous avons le bitacolatier. Ça, c'est le nom connu de tout le monde. On n'a pas besoin de mettre le nom scientifique verbalement. Il y a l'ivenge. Oui. Il y a l'ivenge gabonensis. L'ivenge gabonensis qui se trouve de l'autre côté. Là, il y a 13, 10 pieds. Parmi lesquels 10 sont, 2 sont en production déjà. Donc, voilà à peu près ce que je peux. Il y a plein de citronniers. Il y a la parcelle agro-forestière. Oui, mais la parcelle agro-forestière est là-bas, agro-toxique, là, toujours de l'autre côté. Bon, nous descendons comme ça pour aller voir la forêt elle-même. On peut dire faites 10 000 pieds blancs. Oui. Je vais tricher. Oui. Je coupe. C'est le boutuage, mais qui ne dit oui. pas son nom. Oui. Quand c'est en contact avec la terre, je fais comment? Ça pousse. On n'apprend pas l'autre à l'école. Je prends le plastique, je mets la terre ici. Ici. J'attache en bas, je mets de l'eau. Ça sort les racines. Allez, on coupe. Je coupe. Voilà. Je procède à la terre. On avance. Nous sommes ici à la rivière de Ntumba. Comme vous le constatez, j'ai un foulard sur la tête. Alors vous vous demanderez pourquoi. Vous savez, nous sommes dans une zone où il y a des répulsifs, où il y a des moutes-moutes. Alors il nous faudra des répulsifs pour pouvoir éloigner. Mais tout ça est pris en compte. Et ça fait partie du tourisme, parce qu'il faut se faire piquer pour goûter, n'est-ce pas, pour goûter au bien-être de la forêt, en fait. Pour goûter au bien-être de la forêt, parce que le bien-être de la forêt est différent du bien-être de la ville. Le bien-être de la forêt, vous voyez, nous sommes entourés des agnons. Vous voyez ces arbres-là? C'est l'agnon. Et ça, on nous le vend à coût de millions, à l'aide d'un disque. On va vous donner un disque, on vous dit ce disque, vous le posez votre eau et ça se transforme. Or, nous l'avons ici gratuitement et gracieusement donné par le ciel. Pourquoi ne pas profiter de ça? C'est ici notre bain de boue.
nous allons le remplir de boue ou de sable, et notre client va entrer à l'intérieur. Mais comme il est profond, je ne sais pas, je vais essayer. Alors, le client va marcher, marcher. Pendant que le client marche, ça stimule. Ça stimule, ça provoque, n'est-ce pas, une épidémie pour aider à la circulation sanguine. Alors, vous voyez, le ciel nous bénit de beaucoup de choses. Ça, c'est l'essence de ceci qui joue le rôle du massage. Et ça, c'est rare de trouver. Il faut être en forêt pour avoir la chance de tomber dessus. Pour le masque corps, vous voyez ça, on le trouve en pleine forêt et ça nous permet de fabriquer une crème hydratante. À l'intérieur de ce noyau, de ce fruit, on a un noyau. Alors ce noyau, le voilà, il est là. Maintenant, je le concasse. Si je le concasse, nous aurons une amande. Et cette amande, c'est avec ça qu'on extrait l'huile essentielle. Notez ici que j'ai mon panier de la récolte. Hein. C'est-à-dire que je vais récolter pendant que je marche dans cette rivière, qui est une rivière en fait qui soigne. Parce que le simple fait de marcher dans la rivière là, ça stimule la voûte plantaire et permet donc à l'esthéticienne après de faire un drainage lymphatique pour la stimulation sanguine. Et là, comme la voûte plantaire englobe tout le système organique, quand je le dis, je pèse mes mots. Tout est situé dans la voûte plantaire. C'est-à-dire que lorsque je suis dans votre voûte plantaire, je suis en train de travailler dans tous les organes du corps. Quand je parle des organes du corps, je cite le cœur, le foie, le gros intestin, intestin grêle, en fait tout, les reins, etc. Et vous voyez la qualité de la pierre. Vous voyez la qualité. Alors, vous allez voir que c'est truffé de pierres marron, blanches, etc. On va dire que c'est des minéraux, hein, d'une certaine manière. Alors, c'est très riche et ça soigne. Le simple fait de marcher dans cette eau-là, dans cette rivière, ça soigne. Quand vous êtes sorti d'ici, je n'ai plus besoin de vous amener au bain de sable. Quand vous sortez d'ici, vous passez directement au massage et au drainage lymphatique. Et là, nous éliminons tout ce que vous avez comme toxine au niveau du corps. L'argile blanche. Vous voyez, c'est différent. Wow, c'est voilà l'argile blanche. Wow. Voilà ça. Wow. C'est ça, ma fille, que tu dois récolter. Tu as vu où j'ai récolté? Mm-hmm. Tu piques, tu soulèves et tu prends. Wow. Voilà l'argile blanche. Et cette argile a une particularité médicale incroyable. C'est une argile qui purifie le sang lorsqu'on l'applique. C'est une argile qui vous débarrasse de tout ce qui est mystique. C'est-à-dire qu'en sortant, si vous avez fait ce masque sur vous, si pendant votre sortie, on vous a fait n'importe quoi, à l'arrivée, c'est-à-dire au retour chez vous, vous faites ce masque, ça va vous débarrasser de toutes les charges que les gens ont essayé de vous. C'est très, très, très mystique, l'argile blanche. Mais il faut le savoir. Et ça, je l'ai apprise chez les pygmées.
Yeah. Et tu as peur du bébé là. Elle a fait trembler. Yeah. Yeah. Bravo. Bravo. Voilà Jules, devant toi. Jules, voilà ça. Voilà, voilà. Ramasse, ça. On voit. Il va ramasser. Ne cherche pas en bas, voilà ça qui est au-dessus. Ah, voilà ça qui est posé en haut même. Tu es posé en haut. Voilà ça que tu as dans ta main. J'ai pris plus que tout le monde. Oh, maman Genée, regarde voilà, ici. Et je fais comment? Tu me laves mon visage. Oui, si tu veux, fais, mais lave ton visage avec. Bon, ok, ça veut dire qu'on lave maintenant. Oui, et tu te mets au soleil. Nous sommes maintenant à l'école de l'esthétique. Voilà. Non, nous on a une danse traditionnelle qu'on appelle la bobo-poun. On danse même avec. Tu vois, non? Maintenant. Donc on fait dans ça. Magiquement. Et on danse. On danse. On est nu, on porte les tubes. Personne ne peut vous attendre. Personne ne peut vous atteindre. Même si quelqu'un fait n'importe quoi, l'argile la bloque et ça rentre sur la personne. Mais quand on est parti, la machine, les bacs, ils prenaient plus que. Vous oui, oui, des verres de terre. Ils ne voulaient pas vous montrer le secret. Voici le secret. Le verre de toche. Ils ne voulaient pas vous montrer. Ils ne voulaient pas vous montrer. Pour que tu te montres, tu peux faire même 2 ans.